et bienvenue dans At Tony's, un jeu où nous allons gérer une pizzeria où il ne va rien se passer de mal, bien sûr. Le jeu m'a peut-être été offert, je ne sais plus. Le professionnalisme en une vidéo. Attention, conseil, le café est très bon. Cela commence. Ok, donc déjà... Wow, ok. Je devrais faire du café. Ok. C'est quoi le mot? C'est poule. Ah, la pizza est étonnamment réaliste par rapport au menu, non? D'accord, je me clignais des yeux à volonté. Oh, je suis fatigué. Putain, j'ai une baguette chez moi, on est vraiment en Italie. J'ai des clopes sur le micro, on est vraiment en Italie. La coffee machine est empty, il nous faut du café. Putain, c'est de l'IA. Il y a un petit lion. Nuts, Kitty? Il manque une tasse, les gens. Où est la tasse de café? Ah, mais il stocke son lait. C'est du lait chocolaté? Un bol, c'est bien, non? C'est bon, j'ai le coffee cup. Ça va, le son? Ok. Ça fait un bruit de pisse, hein, on est bien d'accord. Pour l'instant, le jeu n'est pas très effrayant. Mais bon. Le café coule, mais on ne le voit pas, ouais. Bip, bip. Je devrais vérifier mes emails avant de partir. Calculateur. 333 x 2 égale... Test note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, putain. 6. Les gens, c'est tout autour de nous. Password égale PWD. Checking in. Hey Joe, j'espère que tu vas bien. Il y a quelque chose que j'aimerais bien dans mon esprit que tu fasses te parler, en fait, pizza, tu sais. Allez, appelle. Ok. Bon, bah c'est tout, on s'en fout. Hein. Attendez. Il faut préparer. La doux est préparée. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser. Va à la cuisine quand tu es prêt. Et n'oublie pas de prendre du bois pour le four. Ok, il a des problèmes récemment. Les ordres vont arriver sur le PC et. D'accord. Et si tu sais pas quoi faire, il y a un guide de pizza, quoi. Ok, bon, bah c'est cool. Brightness. On peut vraiment régler? Non. Attends, comment on peut être en... Comment on peut être en 2020... Oh putain, quelqu'un a toqué. Ah non, on peut regarder là. Attendez. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon Dieu. Les portes sont rétroactives. Oh, c'est quoi cette salle de bain de l'enfer? Pourquoi il y a... Attends. Pourquoi le mec a mis un essuie-pied avec marqué « Bienvenue » dans ses chiottes? Dans quel monde vit-on? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? Pourquoi on peut pas y aller? Je me barre, je laisse la porte grande ouverte. Rien à branler. Mais genre, je vais devoir attendre l'ascenseur. Putain.
qui est sur la... Bah ouais, j'avoue, c'est long. On voulait que notre jeu, les gens se sentent à l'aise. Comme s'ils étaient chez eux. Et qu'ils devaient prendre l'ascenseur sur 9 étages. En vrai, c'est plus rapide qu'en vrai, mais... Ah, putain, mais ils mettent un fondu au blanc, au noir à la fin, quoi, ça ne sert à rien. Super. Ok, premier shift. Hey, cuz, how are you doing? Hey, ça va? Fam wanted me to call you and give you a quick rundown for your first night. Ok, faut que tu te prépares pour ça. La première chose, c'est prendre la dough dans la cuisine. Earlier, so you should be set for the night. Mais c'est ce qu'il dit. Under the oven, throw in a log to start cooking. Ok, faut mettre un log sur le truc. Ça va arriver sur le PC, genre. T'as le menu si t'oublies quel instrument il monte. All right, that's it. Ok, c'est tout. Ok. Avec tous les ors, tout ce qui s'est passé avec Tony, putain, t'as du courage de venir là. Oh putain de cul. Comment ça? Mais pourquoi je suis tout petit? Ah d'accord. Mais genre, je fais pas la pizza. Genre, je fais pas la pizza au même endroit qu'on la cuit, c'est bizarre. Hop. Take the oven instruction. Oh putain. Oh la vache, non. Oven guide. Oh, mais c'est quoi cet enfer? Pour réduire les risques de blessures, lisez. Des soignants. Okay. Ajouter des bûches. Ok. Vérifier la température. La température idéale est entre 400 et 460 degrés. Ok. 60 secondes. Au-dessus de 460, c'est pas recommandé. Ajoutez votre pizza. Utilisez un timer. Ok, d'accord. Les logs. Molto bene. Voilà, on peut aller prober. Putain, c'est pas assez, il nous faut plus de feu. Oh, le feu descend. Putain. C'est bon là? Non, ah putain. Vite, vite, vite. C'est parfait. Molto bene. Ok, on a une commande. Je sais pas où c'est. Orders. Ok, Linda. Quantity, une unité. Attends, quoi? Mais c'est quoi la pizza? C'est une marque, Linda? C'est une marque de pizza? C'est un type de pizza, Linda? Il est où le livre? T'inquiète pas, il y aura le livre. Il est où? Ok. Très bizarre. Bon, on n'a toujours pas trouvé le guide, quoi. C'est peut-être ici, c'est peut-être ici. Bah, je sais pas, moi le menu, ça me semble normal, non? Mais... Bah écoutez, on va mettre... J'en sais rien, moi. C'est là le guide, test note, mais bon. Oven guide. Ben non, c'est non. Secret.exe. Password, c'est PWD. Ah mince. Menu. Ah! Linda! Tomato sauce, onion, mushroom. Ok, tomato sauce, onion, mushroom. Tomato sauce! Comment on fait pour y aller?
tomato sauce. C'était quoi? Onion mushroom. Molto bene. C'était 5 minutes, un truc comme ça, 4 minutes, je sais plus. Comment on fait pour la mettre? Il faut une planche. Voilà. Et hop là, molto bene. C'est bon. On peut reposer ça. Timer. 4 minutes. C'est combien de temps? 60 secondes. Ah oui, d'accord. Pour après se remettre une bûche, hein. Molto bene! On a peut-être une autre pizza en attendant. Non. Mais je vais déjà en préparer une. Faites-moi confiance. Ah merde. Me faites pas confiance. Oh putain, on est bientôt prêts les gens. Oh putain. Molto pizza. Voilà, c'est bon. Hop. Drop de pizza et de kitchen counter. Mais je comprends pas. Give the guy to the pizza delivery guy. Mais il est où? Oh putain, il passe par derrière. Oh putain, ça m'a fait un peu peur. Ouais, mon petit bonhomme. Ah putain, il m'a fait. What the fuck? Merde, le frigo, j'ai oublié de le fermer. Putain, il y a un appel, attendez. Lucas, on est en Italie, il porte pas de casque. Molto bene! Eh, bravo pour ta première pizza. Maintenant, tu auras des ordres. Essaie de tout se faire. Ok. Il y a d'autres trucs que je dois te parler. Il s'est passé des trucs un peu bizarres. Genre des trucs qui s'allument tout seuls. Et des fuites. Si tu me demandes, c'est rien certainement, mais bon. Mais ma mère m'a demandé de te parler de tout ça. Je vérifie la cuisine et la salle de bain qui se passe rien de bizarre. Le dernier vitre qui est venu. Il s'est jeté du. On croit pas aux cousins. Hein. Oh, fantôme, c'est pas cousin. Ouais. Carrément, ouais. Ouais. trop con les fantômes. Alors. Alors, une caoccia. Caoccia. Moi, je vous le dis, c'est de la mozzarella, du ham et du pepperoni. Mozzarella, ham, pepperoni. Basse tomate, bien sûr. Mozzarella, ham, pepperoni. Hop là. Hop, vite, bim. Alors, attendez, il y en a une deuxième. Qui est une autre caoccia. Ne vous inquiétez pas. Tutte risotte. Molto bene. Mozzarella, ham, pepperoni. Eh, je la mets à la main, moi, si tu veux. Hein. Alors, attendez, il faut savoir que 30 secondes plus tard, il faudra mettre l'autre. Ok. C'est bon, je suis devenu un professionnel de toutes ces merdes. Ah ! Madame, vous me faites méga peur. Putain, j'étais tranquille, j'étais bien. What the fuck, vous l'avez vu? Remets une bûche. Oh putain, vous avez tellement raison, ça va pas cuire. Aïe aïe aïe. Oh. Oh putain. La mozza.
Elle est pas fondue. La mozza est pas du tout fondue, les gens. C'est bon. Molto bene. Quoi? Il s'est passé quoi? J'ai entendu la musique, mais... C'est quoi, ça? Mais il est dans le néant, le mec! Oui, ça va, attendez. Oh là là, ils exagèrent, quand même. Molto bene! Il y a une fuite, c'est ça? Pas de fuite. Ah, peut-être des femmes sont bouchées. Fuite de gaz, c'est rien, voilà. C'est un truc qui arrive. De toute façon, j'ai pas d'odeur, je peux pas le savoir. Hello? Eh, bonjour. Hello? Allô? Let me guess. You're laissez-moi deviner. Guy. Vous êtes le nouveau gars. Le gars qu'ils ont choisi pour faire les pizzas. Attendez, on peut pas monter les voix? C'était le timer. Vous avez vu des vues bizarres. Je vous appelle parce que j'ai des presque sûres qu'ils vous passeront le night shift. Il n'y a rien de plus important pour les Falcos que l'argent. Je faisais les pizzas durant la nuit. Ils ont probablement dit que j'étais fou. Il y a des choses qui se passent. Je peux vous aider à survivre. Alors vous pouvez fuir. Si vous êtes comme moi, vous voulez des réponses. Vous devez rester en vie. Oh putain, les gens. Perfect job. En vrai, je pense qu'on est un... On pourrait être italien. Into the past. Quoi? Mon Dieu. Non. Non, ça y est, je me rappelle. J'étais là, il y avait de la brume. Tout était en noir et blanc. Étrangement, je n'avais pas peur. Il y avait une femme chauve. Je décidai de la suivre. Ou bien était-ce elle qui me suivait? J'avais un kink pour les femmes chauves. Certainement. On travaillait pour les Falconets. Ils étaient bien connus ici à Arkham. Un charmeur de serpents travaillait dans le coin. Je vivais dans les années 30, apparemment. Et j'avais trouvé un journal. Cher journal, ça fait juste 7 semaines et 3 jours que mon destin a été scellé dans le mariage. Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'arriverai à être une bonne femme et une mère? Il ne semble pas aimer parler du passé. Il est gentil et considérant aujourd'hui, mais demain, est-ce que je vais souffrir comme ma mère? Ça serait est-ce que ça serait la terrible malédiction des Falco? Falcon Punch! Pardon. Destiné à avoir des mariages tristes et une mort terrible. Oh là là, mon père me manque. Ils ont tous suggéré de célébrer à la pizzeria pour mon grand jour, même si je déteste cet endroit. Tous ces coins parlent, enfin, font écho aux problèmes de ma famille. Les briques ne sont peut-être pas les mêmes, mais elles me regardent de la même manière, ok. Il me manque. Ok. Peut-être que... Dernier au revoir, peut-être qu'on devrait se rassembler ici une dernière fois pour qu'il puisse être avec nous. Annabella. Oh putain. Annabella? Ça se ferme pas. Ça se ferme pas.
Annabella? Oh putain de merde. Tout doit bien s'aller. Franchement, ouais. Oh putain. Boubou. Coffee, si! Il va y avoir une tête. Oh, j'ai plus de café. J'allais dire, ça va toquer. Mais vous lisez dans mes pensées, en fait. Merci de son canne. Il n'y a plus de café? J'ai jeté le café? Il y a du... Mais je fais que bouffer des pizzas, ou comment ça se passe? Ah non. Il était là, le café? Pour l'instant, tout va bien. Bienvenue, t'es toujours pas chier. On sait toujours pas c'est quoi la porte. Mailbox. Une autre pizza night. Ah, la dose n'est pas préparée, donc tu vas utiliser le mixeur. Oh putain. Je suis plutôt... Hein, tes actions ne sont pas acceptables. Ok. Je t'ai quitté après l'incident de ta mère. C'est comme ça que tu me rappelles. Ok. Ah, bizarre ça. Je suis tombé sur quelque chose de plutôt cool. Attendez, deux secondes. J'ai un problème avec mon casque. Ça se tient pour l'époque. Je sais que les gens adorent. Bah, on connaît tous, hein. Ça nous a tous traumatisés, je pense. Molto bene. Oh putain, c'est le fantôme. Ça va, madame? Oh, vous avez trop mangé de pizza? Elle vous a attrapé. Ne la laissez pas vous avoir. Démarrez à nouveau. Tu te fous de ma gueule? Oui, malheureusement, les proutes bug. Je sais pas pourquoi. Et il faut que je refasse entièrement les sons de proutes. C'est vraiment très chiant. Mais tous les autres sons marchent. Je ne sais pas pourquoi les proutes bug. Désolé. Arrête, Zefling. Tu te chies dessus. Bah, moi aussi. Attends, je vais faire un prout. C'est nul. Je suis désolé. Trop drôle. Eh, vraiment, Diantre, t'es le meilleur. C'est mieux. Moi, je pense qu'elle s'appelle Caucho, professeur Trousse. Attendez, je vais refaire un prout. Oh putain, bien timé, Diante. Putain, mais énorme. Incre. Qui aurait cru, en fait. Madame. Tenez-vous à une distance respectable de moi, sinon en fait vous allez me faire perdre la partie. Je pense que vous avez disparu, madame. Ah non. Oh, c'est devenu un vieux prout. Attendez. C'est bon. Bon ben voilà quoi. Donc elle crie. C'est tout ce qu'elle fait pour l'instant. Ah, wow.
Ah non, je vais me faire Dead Space-isé. Et la peur des hélicoptères. Et on la comprend. Je vous rappelle que c'est 700 000 morts par semaine, les ascenseurs. Il n'y a aucune sécurité, en fait. Et on a perdu la technologie. En même temps que la technologie des pyramides. Donc on ne sait pas comment faire la sécurité des ascenseurs. Après, bon, bah voilà quoi. Tous les fantômes ne sont pas mauvais. C'est vrai. Ça va être une histoire triste. Je dois aller au garage tout à l'heure. Mais attendez, on est où là? Elles sont où les pizzas? Pourquoi il y a une énorme merde? Putain, franchement, Vampire Bloodline, le patch, il marche vraiment bien. On peut aller sur le merry-go-round? Merry-go-round! Non. Attendez. Mon cher enfant précieux, si les larmes pouvaient construire un escalier, des mémoires, un chemin, alors je marcherais jusqu'à toi dans le paradis et je te ramènerai à la maison. Mais c'est un enfant mort, hein, donc on le laisse là où il est, on ne le touche pas, il est collant, les gens. On ne touche pas les enfants morts. Ouf. Ah. Oh. Et bam! Wouh! Touchant. On dirait juste un adulte de petite taille, on dirait pas un enfant. Et je peux pas le faire à ta place en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Non mais on va arriver en retard. Regardez, il est figé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Pourquoi tu regardes cet arbre? Et j'attends le fait que je dois juste aller au garage. Bon! Il est temps d'aller au garage là! Oh là là, il m'a fait perdre le temps! Putain, mais en vrai, c'est vrai que les bébés proutes, ça arrive. On oublie. Mais vraiment, n'oubliez pas ça, quoi. Quand vous avez un prout, ça peut être un bébé prout. Hein. Et il faut. Après, il faut l'éduquer et tout ça, quoi. C'est ce qui se passe quand. Attendez, il y a un autre bébé prout là, vous pensez? Oh putain, il y a un cigalou, hein. La vache. Mais je sais pas où elle est, ta voiture, Colin, en fait. C'est ta voiture, tu sais pas où tu es. Putain, non! On est dans le corps de cette personne qui a perdu sa voiture. Si les proutes sont les esprits de ce qu'on a mangé, et si on fait un bébé prout, est-ce qu'on a mangé un enfant? Je sais pas. Ma routine, un espresso, fermer l'ascenseur devant Mob's in God, faire de la balançoire avec un enfant mort, faire des pizzas. Voir Silent Hill. Mais c'est quoi, sérieusement? En fait, c'est la brume qui habite la ville. Mais c'est un métro, ça, c'est l'entrée du métro. Creeville Parking. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais pourquoi il y a trois... Pour appeler ma voiture. Voiture! Voiture!
Putain, les gens, la dernière fois que je suis allé dans un parking comme ça, on s'est fait défoncer la gueule par un gang. Même deux gangs. Mais je les ai filmés, c'était en Bloodborne. Non, Bloodlines. J'aurais pu de... Eh, je vous le dis direct, j'ai pu avoir de batterie. Jason. Jason. Ah, putain. Hey, cuz. Good job yesterday. Customers were happy and we made some money. Bravo pour hier. It's not as good as it used to be, though, with all the story... On a vendu 3 pizzas, mec. Genre, comment ça peut être une bonne journée? Vous aviez fait genre 40 pattes. About the family, business isn't booming to say the least. All these ghost stories, and now the story with this guy that worked your shift. Toutes ces histoires. He started seeing the ghosts following him home. Il a vu des fantômes le suivre. Comme s'il n'était pas content que tu bosses à la pizzeria. Comme qu'il bosse à la pizzeria. Parle de mauvaise publicité. Bref. Aujourd'hui, il va falloir faire de la dough. I took out all the ingredients already. Everything is in the kitchen. If you somehow forgot the recipe, it's on the computer. C'est sur le PC. The password for the file is the year the pizzeria opened for the first time. Okay, c'est l'année d'ouverture de la pizzeria. I'm not going to give you a history lesson, as you should know, but I'm a nice guy. I'll give you a clue. Check the storage room. Good luck. Pas faciliter mon travail, il faut qu'on se tape tout le travail. Je sais pas moi. 1971 ou 1911 Screamer ? C'est étonnant qu'on ait pas eu de Screamer là. 1911. Attendez, je suis pas con, hein. Ah non, 70, c'est un zéro. C'est un zéro, les gens. Falcotto. Ok, le secret. Vous êtes prêts? 200 ml d'eau, 1 kg de flour, 20 mg de yeast. Vous pouvez retenir. 10 grammes de sel, 50 millilitres d'oil. Ok. Donc. De l'eau. Je sais pas moi, genre, quoi tu as fait dans ça. Peut-être juste dans le Magimix, non, non. Bah, je sais pas où ils la font, moi. Bah, je sais pas où vous la faites, moi, votre putain de truc. Peut-être là-dedans. Non. Bah. D'accord, c'est pas marqué. Putain, ils ont un water là-dedans, d'accord. Donc, 200 ml d'eau. Ok. Flour, il faut 1 kg. C'était de la levure, il en faut 20 mg. Je pense que j'en mets 20 mg à côté. Ensuite, il fallait 10 g de sel.
10 grammes de sel, ça me paraît peu, mais bon. Après, il y a... ouais, c'est vrai qu'en même temps, on met des trucs dessus. Et l'huile, ça, je m'en rappelle plus. 20 millilitres, d'accord. Ok. C'est de l'eau lyophilisée, j'avoue. J'ai le même truc pour faire cuire. Papara, para, papa, para, para, para. 50. Attendez. Comment ça, 50? Ah merde, et vous m'avez dit... C'est pas grave. Donc on va recommencer. 200. J'ai mis 20, je sais pas pourquoi. 1 kilo. Après, ils avaient... franchement, ils avaient qu'à pas me demander de le faire, honnêtement. Yeast, c'était 20. Sel, c'était 10. Et ça, c'est 50. Ça manque de musique d'ambiance. Mais c'est parce que j'ai mis le mode streamer, je pense. Et du coup, je pense que toute leur musique, c'est des musiques de... Des musiques qui sont sous droit. Ils sont très cons de faire ça, parce qu'en vrai... bah, évidemment que je vais streamer... Ça, c'est ouf que ça va speed le truc. Les fantômes sont peaceful, hein. Ouais, ça m'a fait peur. Alors, une mamaz. J'espère qu'il y aura une papaz aussi. Mamaz, tomato, mozza, oignon. Putain, qui prend ça? Tomato, mozza, oignon. Attendez, déjà. Alors. Tomato, mozza, oignon, et on en a une deuxième commande, ok. C'est quoi la deuxième? Pepperoni. Pepperoni, c'est mozza, pepa, ok. Attendez, je vais vérifier la température du four quand même. Mozza, pepa, ouais, on est bon. Tac, hop, merde, putain, il y a une autre commande. Ok, c'est pas grave, allez hop, on sert. Tac, hop. Donc, tac, mozza, pepa. On va attendre 15 secondes pour le mettre. Ok, on peut y aller. Tac. Hop, de toute façon, si j'ai de la mozza, on a presque pas besoin du truc. Hop, ensuite, on a besoin de... une forte stagione. Ok. Donc c'est une 4 fromages, hein, je suppose. Mozza, pepa, mushroom, ham. Ok. Mozza, pepa, mushroom, ham. Mozza, pepa, mushroom, ham. Ah, je peux pas la mettre. Ok. Et comment je fais? Mais comment je fais? Mais genre, je suis piégé, quoi. Putain, mais c'est de la grosse merde. Genre, t'es pas capable d'utiliser... Mais évidemment qu'elle est cramée, connard! Parce que t'es incapable d'utiliser tes putains de bras! Insupportable. Vraiment, il mérite de crever. J'ai
Je me rappelle plus ce que c'était. La mamasse. Putain, mozzarella oignon, quoi, c'est la pire en plus. Franchement, elle mériterait de brûler. Et genre, en plus, on pouvait littéralement en mettre 3, quoi. Nique ta mère. Gnagna, c'est trop froid, le four est trop froid. C'est bon, il est pas trop froid. Mozza. Mushroom. Pepperoni, ham. Mettre du bois. 412 c'est bas mais c'est faisable quand même. Ah putain. Ta gueule. Allez. Allez. Je le sens bien. Je le sens bien. Pendant ce temps-là, le fantôme mange les pizzas. Nique ta mère. On peut pas courir, putain. Pourquoi on peut pas courir ? Ouais. Putain, ce virage dans le néant. Allez ! Molto bene! Oui, c'est bon, je suis là. T'as pas besoin de klaxonner, connard. Casse-toi! Putain. On dit. Ah oh, putain, mais qui a fait ça? Oh putain, j'ai une autre commande? Non. Il faut que j'aille nettoyer ça, super. En vrai, les fantômes, ils me saoulent, quoi. Il faut tout nettoyer. Il y a une pizza dehors. Ah, il y a une table dehors. Oh, putain, j'ai que ça. C'était plutôt facile. J'ai plus de pâtes. Oh, putain. Ah. J'espère qu'il y a vraiment pas un... genre un fantôme ou une connerie comme ça. Hein. Quoi ? Quoi ? Putain, on est le premier jour. Ça serait pas trop bien. Mais attends, ça fait 5 jours que tu es là. Tout ça, c'était le gaz. Tu t'es demandé pourquoi il n'y a jamais personne qui vient dans le restaurant la nuit? Les Falcos ne viendraient pas la nuit. Même le livreur ne rentre pas. Quand Vince... Ils savent qu'il se passe des choses. Ok. Je sais qui est ton père. Vu que tu bosses ici, c'est surprenant. T'as peut-être pas de nom, mais tu as le sang. Pourquoi est-ce que tu es revenu ? Qu'est-ce que tu penses ? On est amis ou ennemis ? Je suppose qu'on deviendra bientôt. Au fait, t'as commencé à rêver ? Je les appelle rêves, mais ils sont plus que ça. Conseil, si tu marches dans les couloirs, try to stay in the light. D'accord. Something that may help you get the answers you seek, or simply bring more questions. D'accord, il va m'amener des réponses. Peut-être.
Littéralement, c'est le jeu qui a baisé les pizzas. C'est pas moi. Le jeu a triché. On est tous d'accord. Héritage. Énorme. Pour l'instant, ça va. Pas le rêve le plus passionnant du monde, mais pas le pire. Salut, Mr. Pandaka. Les pizzas sont suicidées, c'est pas moi qui les ai tuées. J'enquête. Il y avait un anniversaire, une petite fille et un dinosaure. Et la ville de Bridgeport. C'était les années 50, on avait des cassettes et des téléphones avec une inscription dessus. Quelle année, quoi. Monsieur avec une moustache. Ah. Cher journal, ça fait une semaine seulement... Attends, il reste qu'une semaine avant le grand jour. On s'est dit que on célébrera la pizza après la cérémonie. J'espère qu'il y aura... Enfin, la présence de père me manque. Ok. Ah non, j'en peux plus de l'attendre de la présence de mon père, espérant qu'il ramène un moment de, que ça ramène un moment de joie en lui, comme il nous amenait avant. Donc s'il était saisi de moi, dépassé par l'attitude de ma sœur, les pleurs de Valentina résonnent dans les murs, dans la salle de bain. Elle bloque ses émotions ici, mais ses cris plus forts que n'importe quel que j'ai jamais entendu révèlent ses vrais problèmes internes. J'essaie de la consoler, mais elle a reculé, ne partageant rien. Je suspecte que c'est lié à son nouvel amant. Leur relation, une fois radiante, semble s'être assombrie ces derniers jours. J'espère pouvoir calmer sa douleur. Je dois continuer d'essayer. Moi, je dis à la baiser de ton mari. Oh. Moi, je m'en fous, je regarde mes trucs. Cher Falcoz, je vous écris pour vous informer des étapes nécessaires qu'on a pris pour les arrangements finaux de Ginas en tant que directeur, c'est ma responsabilité. Ok. On collabore, machin, sachez que toute ta situation, machin. Ok. On comprend que la mort est difficile, etc. Ok. Moi je dis, il y a un monstre là!
Là. Putain, mais le café change d'endroit à chaque fois ou... C'est pas ça le café? C'est quoi le café? Non, ça c'est des protottes. Il est où le café? Mais... J'utilise un café par jour. Je suis pas capable de le ranger, quoi. Ah mais... Non mais sérieusement, je peux pas manger que des pizzas et pas faire la vaisselle comme ça. Surtout que là, c'est juste des assiettes, quoi. Franchement... C'est... Putain, j'ai un Nokia, quoi. Je dois aller chercher ma... Oh ! Ah non. Ah non. L'andromat en face de la rue, d'accord. Ouais, j'avoue qu'on lâche les tasses à chaque fois. Bon, c'est cool, le fantôme est pas là. Moi, je dis, il va être dans l'ascenseur. Je peux pas jouer de la guitare, j'ai essayé. Pardon, Émilie de Verdon. Hop. Et ben vraiment, j'ai hâte d'amener mes jeans et chemises en flanelle. Et c'est vrai que c'est très bizarre qu'il n'y ait aucune musique non libre de droit. Mais attendez, j'ai mis ça, hein. Je sais même pas si j'ai mis ça. Attends, pourquoi il est en médium alors que je l'ai mis en high? C'est bon, j'ai tout remis au max, les gens. Le jeu va être sublime, attendez. Enfin, on va voir le vrai jeu. Ah oui, ça change tout, en fait. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Putain. Oh là là. Mais hey, putain. Photoréaliste, hein. En face. Vous avez entendu, on entend même des bruits de canards dans le jeu. Mais on vit à Silent Hill. Comment ça se passe? C'est là le Landromat. C'est fermé, hein. Il est dans la jungle, il est où? Parce qu'il y a des cigales de l'enfer. Il est là-bas, l'endroit? On est sûr de ça? Je pense qu'il est de l'autre côté. Mais en vrai, la ville, elle est cauchemardesque, hein. C'est vrai que les rues sont extrêmement propres, ceci dit. Il a dit, c'est en face. Ah, c'est peut-être le truc qui brille en rouge là-bas. Mais il n'y a aucune lumière dans les bâtiments. Genre, quelle heure il est en vrai, là? Genre, j'ai déjà marché à Reims à 4h du matin. Il y avait plus d'activité de ça. Hein. Putain, il est tellement super détaillé par rapport au reste du monde. Ça me baise la tête. Oh, on peut jouer à Super Void, vous pensez? Il faut qu'on load d'une dryer, merde. Washer? Ouais. Bah, lequel? Hein? Ça, c'est une washing machine? Genre, je... Montre-moi laquelle tu veux que je prenne, je la prends. Good evening, listeners. This is Miles with the latest developments unfolding in our town. Tonight marks a grim milestone as the prominent packing plant in our community shuts its doors and ceases operations. That's right, folks. The 17th closure in just 3 short months, leaving behind vacant buildings and silent streets.
The downturn continues, with businesses like the packing plant closing down. Ok, ben j'aurais jamais pu savoir que c'était celle-là. On another note, meteorological experts from the capital descended yesterday in an attempt to identify the origin of the fog surrounding the town. C'est lui, Luciane. No progress has been made. Attends, trouver des pièces? Comment ça, trouver des pièces? Attends, comment ça, trouver des pièces? Mais c'était clairement cette pièce! Mais genre, tu fouilles pas les trucs là? Putain, mais genre, il y a des pièces par terre partout quoi. C'est pas la récession. Hein. Mais de où je trouve deux pièces là-dedans? Comment ça se fait? Putain. Non, mais ça, c'est vraiment un truc qui me bute. Quand tu vois une pile de pièces que tu achopes et que c'est une pièce, ça, c'est vraiment rageant quoi. Oh bah cool, l'arrière-boutique s'est ouverte. De manière mystérieuse. Mais malgré tout, intéressante. Il est trop bizarre ce lapin. Trop bien. En vrai, j'ai jamais vu un lapin dessiné comme ça. Allez, il y a un truc qui sort des chiottes. Putain. Arrêtez! Non! Je ne veux pas faire caca, je l'ai déjà dit! Non! Laissez-moi sortir! Ah! Mais dis donc, c'est quand même une sacrée aventure qui nous arrive, les petits amis! Arrêtez de m'enfermer aux toilettes! Je ne la regardais pas, je croyais encore en entonation. Ben, c'est vraiment un lapin bizarre, c'est vrai. Oh, regardez là! Quelqu'un. Oh putain, c'est de la merde! Il a. Bon, il a bien. Ah, franchement, il a bien nettoyé ses chiottes, mais quand même, il a étalé de la merde partout, c'est pas propre. Verrouillé. Oh, Bill, j'ai perdu les clés de cette porte. Est-ce que tu peux les trouver d'ici lundi? Je pense que c'est dans un des. Oh, dans un des trucs à nettoyer. Oh, dans un des washers. On peut trouver les. Est-ce qu'il y a des clés? 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 Est-ce qu'il y a des. Il y a des clés. Incroyable. Mais du coup, on est en train de fouiller chez eux, genre comme un gros sac, parce qu'on n'a pas de pièces. Alors qu'on a travaillé 2 jours de suite. Placeholder, merci. Oh, on peut utiliser leur PC? On cherche des pièces. Enfin, on fouille une arrière-boutique pour trouver des pièces. On est vraiment le dernier des sacs à merde. Oh, elle était là depuis le début. Madame? Oh, elle m'a vu. C'est foutu, les gens. On est baisés. Elle m'a vu. Oh, c'est elle qui était aux toilettes? On peut pas jouer au jeu plutôt que payer, là? Moi, je joue à Super Void. Mais non, mais on dirait vraiment qu'on peut y jouer. Mais c'est pas où il est mon téléphone. Hey cuz, sorry cousin. For calling you on your cell phone. I just wanted to check in and see how you're doing. You got the email about Gina. T'as eu l'email à propos de Gina? Your mom, je veux dire ta mère, non? I know it's been weeks since, je sais que ça fait des semaines depuis que. But I still can't believe she's gone. Mais j'en reviens pas qu'elle soit morte. I didn't really see her that much. J'ai jamais vu trop. Tous mes temps avec elle, c'était les incidents après les incidents après Annabella. C'était vraiment une vieille femme gentille. Je connaissais pas trop, cousin, mais. Je sais qu'elle voulait. Elle signifiait beaucoup pour toi. Bah, c'était ma mère, quoi. Je comprends à quel point difficile ton père peut être. Et je sais à quel point ça doit être dur de bosser dans le family business. Pourquoi, de toi, parmi tous les gens, tu dois bosser? Continue de faire ce que tu fais. Ok, je peux jouer à un super. Non! Ah, Super Boy! Putain, non.
Allô? I want to apologize about Je veux m'excuser à propos d'hier. Bon, je vous résume ce qu'il dit à la fin. I just wanted to know where you were standing, hoping I could get some words out of you. I'm still puzzled about the reason of your presence. Let me give my best guess. You probably feel like your father is holding you from this heritage, this family that should be yours as well. Gina, she was your mother too. Bat crazy, sure, but still your mother. And once upon a time, your father's wife. Gina, even if that time is long gone. Who wouldn't go crazy after suffering two distinct deaths? First your husband, then one of your daughters. Terrible tragedies that occurred twice in the same location. May also explain D'accord, why your father les deux morts sont arrivées. But see, there is more to the story. Annabella, she told me what happened. Annabella she shall tell you too, if you're ready to listen. D'accord. When I was working at the pizzeria, oh, I found a c'est way long. To talk to her, in a more passive manner. It's some sort of ritual. It's a way to communicate with spirits and ask them questions. D'accord. I actually left all the props needed for the ritual back in the electric room. I think it's time for you to unveil some of the secrets of your family. Attends, on va Grab faire un rituel. I left there, shut down the power and get started. Mais pourquoi? I mean, you don't have to, but as I said before, I'll help you get the answers you seek. Are you ready to hear them though? Mamma mia. Miep. Mais on va faire un rituel. Enfin, je veux dire, on était en train de préparer des pizzas. Bon ben, on doit faire un rituel, les gens. Quelle bonne idée. Je dois checker les instructions. Mais attends, je fais ça dans la pizzeria ? Mais je suis un malade ! Aïe, aïe, aïe. Puisses-tu nager dans le sang de l'ombre ? Puisses-tu vivre une vie éclairée par le soleil ? Puissent les morts te parler dans l'obscurité ? Puisse la vérité être révélée par la lumière brillante ? Putain, mais c'est quoi ça ? J'ai pris une photo au cas où. 1, 2, 3, 4, ok. Blood, death, life, balance, truth. Blood, 1. Sun, non, life, 2. Sun, life. Death, truth. Sun, light, death, truth. Blood, life, death, truth. Ok. C'est blood, ça? Attendez. Déjà, c'est pas blood. Donc, on commence mal. Blood. Blood, c'est celui-là. Voilà. Déjà, j'ai déjà tapé des trucs, mais c'est pas les bons. Ça me saoule. Ensuite, ça, c'est life. Donc, c'est encore pas le bon. Supportable. Putain. Attendez, c'était 1, 2, donc 3. 3, c'était death. Et ça, c'était truff. Ok. Ouais. Not ready. Oh bah si, on aurait dit. Qu'est-ce qui manque ? Mamma mia, pizzeria ! Ah moi je suis prêt. Hein. Swim in the blood of the shadow. Blood. Life unlighted by the sun. Life. Death speak you in the darkness. Death. Truth revealed by the burning light. Truth, hein? 1, 2, 3, 4. Bah. Je peux pas être plus près, quoi. Je comprends pas.
que je fasse d'autres. Faut peut-être que je marche dans les trucs. Genre. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Mais je peux pas faire plus. Éteindre la bouche d'œil. Pour moi, je dois m'asseoir, mais je vois pas comment. Non mais les gens, je suis pas fou. Un, deux, trois, quatre. Ouais. C'est bien Blood. Oui, non, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Peut-être éteindre la bougeaille. Attends, c'était marqué light machin, je sais pas quoi. Truth be revealed by the burning of light. Peut-être il faut juste allumer ces deux là. Non, bah juste peut-être les allumer dans l'ordre. Alors là, mes pauvres amis, je ne comprends pas. Attendez, 2 et 4. 2 et 4, c'est celle où il y a le soleil directement écrit. Enfin, bref, vous avez compris. Parce que je me suis trompé tout à l'heure, c'était ça. Ah d'accord, c'était ça, ok. Pique une question. Quel est ton nom? Quel âge as-tu? Comment est-ce que tu es morte? Quel est ton nom? Oh putain, fermez les yeux, vite! Vous avez bien fermé les yeux. Hein. Pour moi, il a dessiné une tub. Annabella, ben oui, on savait. Ok. Attends, quoi? Mais j'avais pas cliqué, putain. Qu'est-ce que tu veux, vengeance? D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De la lumière. Cher journal, comment est-ce que quelqu'un qui a un secret capable de détruire une famille? Pourquoi est-ce que je suis condamné avec une telle vérité la nuit dernière dans l'obscurité? J'ai entendu des bruits de dehors. Je suspectais Valentina de sortir voir son amant. J'étais concerné. Enfin, mon intérêt pour ma sœur m'a amené à écouter. C'est là que je l'ai vu, se tenant là,
Quel était son but? Est-ce qu'il avait remarqué qu'elle s'en allait? Et ensuite, tout a shifté. Valentina a essayé de l'embrasser. Elle a essayé d'embrasser Mike. Elle exprimait du désir de garder quelque chose, un enfant peut-être. Cette révélation pourrait déchirer notre famille. Je ne peux pas permettre Mike de nous faire ça. J'ai décidé de le confronter avant le mariage. Il doit partir de notre famille. Notre mère, ma sœur, il mérite mieux. D'accord. Oui, c'est ce qu'on avait dit, quoi. Elle a Ken, je sais pas qui, on s'en fout, quoi. Genre, je sais pas, c'est pas grave, quoi. Mysteries. Mysteries! Ah. Attendez, mais ça avance. Oh, Fatshuku. Cher journal, j'ai peur. Aujourd'hui, c'est mon mariage, mais je ne peux pas me retirer le sentiment que quelque chose de terrible va se passer. Hier, la nuit après que j'ai confronté Mike, il est venu dans ma chambre. La seconde il est entré, mon sang s'est gelé. Une odeur d'alcool a rempli la pièce, me rendant nauséeuse. Il était furieux. J'avais peur pour ma vie, il m'a menacé. Il a dit qu'il me détruirait si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a dit qu'il le ferait encore s'il avait besoin. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par ça et j'avais peur de savoir. J'ai besoin de me tenir contre lui pour ma famille. Je ne peux pas laisser partir avec ça. Valentina mérite mieux. Ma mère mérite mieux. Ça sera la fin de notre famille. Cachez-vous dans le placard. Peut-être fermer la porte, non? Pff, c'est tout. Ne léchez pas les murs. Ok. En fait, tout ça, c'était un rêve du cul. Boum, boum. Ah, mais regardez, la vieille tasse de café de la veille. Moi, je dis un monstre qui sort du placard dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça compte pour un monstre ou pas? Moi, je dis je l'avais pré-shot. Ah, les mails bug. Peut-être redémarrer. Ça c'est marqué entrez votre commande. God mode. Je vous ai rien vu, arrêtez, c'est bon. Putain, bah du coup j'ai plus de... En même temps, franchement, t'aurais fait la vaisselle, ça t'aurait plus de problème. Grab my key. Oh, and my phone. Il est temps d'aller à mon endroit préféré. Oh. Oh. Oh, blood. Oh. Oh oh. Bon ben voilà. Et on peut pas lécher le jus de mûre, ils nous l'ont dit juste avant. Pourtant, le délicieux jus de mûre.
Ces phases-là, elles sont un peu longues, hein, quand même. Phase d'ascenseur, là, on aurait pu mieux faire, jeu vidéo. Ah. La rencontre. Oh putain. La rencontre, les gens, vous êtes prêts pour la rencontre ? Do you know you're part of the 5% of the population that currently has a cell phone? Tu sais, tu fais partie des 5% de gens qui ont des téléphones. I'm not sure about that, to be honest. I feel like we're losing something. Feels like talking to the dead to me. Okay. That's not why I called you. I think the ritual yesterday got Annabella quite disturbed. I'm assuming D'accord. you've already seen a few things that are out of place. Okay. This is only the start. D'accord. A little bit of advice here. As you probably remember from the ritual, Annabella doesn't like to be looked at. If you get in a situation where you're facing her, just turn off any light source and look the other way. That's probably the only way you'll get her to leave you be. Well, that's mostly theory. You'll know if it works soon enough. J'espère que je vais pas tomber sur Annabella dans quelques secondes. Bien sûr. Donc si on voit Annabella, faut pas la regarder. Et on s'en va. Très mignonne cette entrée de métro qui est française par contre. Disclaimer dans deux secondes. Cette démarche était incre. Wow, toutes les chaises viennent de se placer, vous l'avez vu ? Incroyable. Hey Joe, I am sorry, je suis désolé, mais ça va être ta dernière nuit. Je sais que c'est important, mais je dois penser à ma mère. Hier, ton père s'est montré à notre porte et il a menacé ma mère. Il a dit des trucs horribles. Il nous a demandé de nous le virer. Je sais que ton père peut pas faire ça sans conséquences. J'ai eu très peur. Ma mère aussi. Elle a pleuré toute la nuit. Elle semble tellement effrayée. Je sais pas ce que ton père a dit, mais c'est difficile pour ma mère. J'étais content parce que je pensais que je pouvais la supporter, mais c'est jamais plainte. Mais je sais que c'est dur de m'éduquer toute seule. Dès que j'ai été né, elle était toute seule, elle ne m'a jamais abandonné. Je te le dis, en espérant que tu comprennes. Toi et moi, on n'a jamais été proches. Tu n'es peut-être pas mon cousin de sang, mais tu mérites de faire partie de notre famille. Ce soir, ça sera ta dernière nuit. Ok, à plus. Putain, je comptais sur ce job. C'est quoi le bruit? Ah, c'est les commandes. Faut faire une bulle. Merci, fais-moi une bulle. Allez, j'adore quand tu me fais des bulles. J'aime bien. J'ai pas vu. Je comment, peux là. Pas rester. Ah, je passe Linda. Juste une tête pour me réhabo. Les derniers SM étaient fous, bravo. Bisous. Merci beaucoup, Jaune la couleur. N'hésite pas à regarder notre campagne. De Vampire la Mascarade. Mais du coup, je dois faire... Oh, vous avez la recette ?
s'il vous plaît. C'était 2 litres. 200 millilitres, je veux dire. 1 kilo. Ensuite, 20 grammes de levure. Merci, Azaï. Ensuite, 10 grammes de sel. Et ensuite, 50. Putain, on gère. Ne dis pas qu'il y en avait là, non. Après, on s'en fout, en fait. Ils nous virent, quoi. Les bâtards, ils nous virent. Ok, bim. Une autre commande. Donc on a une Linda, deux Linda. Ok, ça va être 5. 3 Linda, 2 Linda, une pepperoni. Linda, oignon, mushroom. Ok. Oignon, mushroom. On va les mettre dans le four. Voilà, et on va les mettre ensemble comme ça, ça sera plus simple. Hop. Tac. Oignon, mushroom, bam. Merde, c'est vrai. Hop, bim. Bam. Hop. Et du coup, on met des bûches. On met 4. 1, 2, 3, 4. Timer. Tac, alors l'autre c'est quoi? C'est une pepperoni. Ah merde, elle était dans 2 minutes. Oh, oh, c'est baisé. Pepperoni, mozza, pepe. Ok. Mozza, pepe. Je pense que c'est dead, hein, mais bon. On va voir. Encore une pizza pour rien, c'est vrai ce que tu dis. Oh, j'ai pas pensé au fait que je pourrais pas... Elle a peut-être cramé l'autre. Fuck. En vrai c'est chiant qu'on soit teubé. Et qu'on ait pas de bras. Parce que sinon on aurait pu réussir ça, mais on peut pas parce qu'en fait on est teubé et on n'a pas de bras. On n'est pas capable de prendre 2 pizzas. Non mais c'est un ta gueule, elle va pas cramer en deux. Oh là là, va te faire foutre. Jeu vidéo de con. Mais je savais pas moi, pizza elle brûle là, je comprends pas. Je comprends pas avec mon seul bras. C'est bon. On l'a fait ta pizza de merde. Voilà. Et lance. Moi je dis, ça sent le monstre. Soit qui sort du four, soit qui sort de la fenêtre, soit qui sort d'une des boîtes de pizza. Je sais pas ce que vous en pensez. Salut Baba. T'as raté tout le live. Le monstre livreur chance de la poubelle. Mais il peut pas parce que je vais pas rater. Attends, celle-là, on peut peut-être l'amener directement. Non, elle voudra pas.
le monstre. Non, mais la meuf, quoi. Allez, viens, Jimmy. Et là, il meurt. Un accident. Et si vite arrivé. Il tourne bizarre. Moi, je dis c'est un monstre. Mais tant que... Putain. Ah, c'est lui qui part comme ça. Incroyable. Caucha. On va remettre une bûche. Ça a combien là? Nique ta mère! 444. Caucha. Je sais pas du tout ce que c'est une caucha. Hein. On va pas faire genre mozzarella, ham, pepperoni. Ok. Attendez, je vérifie que la commande n'est pas plus rapide. Non. Donc, mozzarella. Mozzarella, ham, pépé. Ok. Hop. Bim. Bah, il a pas lancé le timer, ce sac à merde. Bon, c'est pas grave. Faudra vérifier. C'est quoi d'ailleurs? Mamaz. C'est quoi une mamaz? Mozza, oignon. Mozza, oignon. Il suffit juste d'être attentif. Alors attends, est-ce que au tout début de tes streams tu ressentais une sorte de fatigue durant le live liée à la fatigue de devoir divertir un peu tout seul, voire complètement? Bah le truc c'est que j'ai commencé les lives avec, malgré tout il y avait déjà une centaine de personnes, parce que bah, j'ai commencé à l'époque du fond de l'affaire, donc jamais eu de moment... Putain mais nickel. De moment vraiment tout seul, tu vois. Non, JVC c'était mon premier truc sur internet. Mes gros trucs sur internet. J'ai jamais fait de live avant, j'ai fait des lives à partir de juin 2013. Le 30 je crois. Ou le 1er, je sais plus. Il y a la rediff disponible, je l'ai laissé disponible exprès. Putain, je suis deck, il n'y a pas eu de monstre pour l'instant. Après, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, donc à mon avis, il va y en avoir d'un coup. Bah, je pense que divertir tout seul, ça... En fait, le truc, c'est que divertir, faut pas regarder. Après, c'est vrai que quand il n'y a personne qui te répond, ça doit être un peu compliqué, quoi. Bah ouais, mais ta pizza pepperoni, tu vas te la foutre au cul parce qu'il faut... Putain, il faut que je refasse de la pizza, de la dough. 2 litres, 2 millilitres, 200 millilitres. Je sais plus parler. Putain, la dernière journée, c'est la pire, quoi. 1 kilo. Vingt. Putain, j'ai mis 21. Tant pis. Je comblerai avec un peu plus d'huile. Faut se parler tout seul un peu. Bah ouais. Bah franchement, je sais pas si c'est possible vraiment de démarrer à streamer comme ça, enfin je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment 98% de qualité, c'est pas suffisant. C'est bon, vous avez des fantômes dans votre pizzeria de con. Je pense qu'il faut vraiment... Enfin, Twitch, c'est vraiment pas idéal pour développer une audience, quoi. Je pense. Ouais, s'il y a pas de volonté d'en faire une carrière, évidemment, tu fais ce que tu veux. Attendez, il est à combien de... Pourcentage de 400, ouais.
Pepperoni. Je sais plus où c'est pepperoni. Mozza pépé. Ok. Mozza pépé. Bon, il peut toujours y avoir un monstre parce qu'il nous charge le, il nous charge de travail quand même. Donc il peut vraiment y avoir un monstre. J'ai réussi à chier dans l'école 3 fois, c'était pas mal. Force Stadioni, c'est. Mozza Pepe Mushroom Ham. Mozza Pepe Mushroom Ham. Mozza Pepe Mushroom Ham. Hop. Tac, tac. Hop. Mozza Pepe Mushroom Ham. J'ai un petit peu oublié la, la base. Tac. J'aime beaucoup ce genre de rose, ça me rappelle celui de Chilas Art. Ouais, c'est un peu différent quoi. Moi je sais pas, là je trouve qu'il y a beaucoup de commandes, ça, ça sent le monstre. Ah, j'ai pas d'avis hein, mais... Je trouve dans le four c'est pas mal, parce que c'est vraiment une zone où on regarde et on est attentif. La boîte à pizza c'est pas mal, mais je trouve que le livreur c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment une zone où on s'attend pas à ça quoi. Ici c'est pas mal aussi là. Je sais pas. Après, streamer, c'est fatigant, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas le même genre de taf que être maçon, c'est sûr. Mais c'est assez épuisant, les gens se rendent pas compte. Et puis surtout quand t'es pas habitué. Parce que du coup, tu te fatigues plus sur des trucs. C'est vraiment un jeu d'horreur où on joue un pizza de YOLO, oui. Ils vont pas nous refaire une livraison encore. Les mecs, on a autre chose à foutre. Encore d'autres? Mais what? Ah non, c'est bon. Il faudrait que tu fasses une dernière pizza. Elle doit être au diable. Avant que tu partes, j'aimerais bien te raconter une histoire. Mon histoire. Mon nom est Lucas. Ma fille bossait dans la pizza ici. Au début, ça allait, comme dans un restaurant. Après quelques jours... Quoi ? Elle a commencé à voir des trucs. Gas stoves being turned on, oven getting ice cold minutes after I would light it. After the first week, she showed herself to me, Annabella. Au bout d'un moment, elle s'est montrée. Beautiful in her own sadness. Elle était belle dans sa tristesse. J'étais fasciné. Comment un fantôme pouvait me faire ressentir autant? I wanted to feel more. That's when I came up with the ritual. That's when she told me her story. Donc il a inventé le rituel, elle m'a raconté son histoire, ce qui s'est arrivé à sa famille, et je pouvais rien faire. Et je suis tombé amoureux d'elle. Un jour, elle m'a guidé dans un rêve. Enfin, je pensais que c'était un rêve. Après mon jump, j'ai ouvert mes yeux et j'étais à le restaurant. J'avais un nouveau purpose. Elle m'a dit d'attendre, que tu allais venir bientôt et que nous devions te montrer le chemin. Elle m'a dit d'attendre et qu'on te montrait le chemin. Tu peux encore le corriger. Tu as le pouvoir de brûler cette place. Tu peux brûler cet endroit. Laissez-la reposer pour toujours. So what is it going to be? See you in another dream, friend. Ah, on peut foutre le feu? Light the souvenir, open the... Oh, leave the... Vas-y, mais... Ah, oh, c'est là où il va sortir.
Attends, il est à combien? On peut aller plus. Je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, mais... Hello. Elle m'a insta-kill! Attends, what the fuck? Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. What? Non, mais je m'en fous de ce que tu dis, monsieur. Hey Joe, I am sorry, but this is going to be your last night. Oh non, mais attends, tu te fous de ma gueule, je dois pas refaire tout. Non, non, mais c'est mort. Justine. Non mais attends, je dois pas tout refaire. Mais vous êtes fous quoi, il y a 200 commandes, je vais pas tout faire. Mais c'est complètement con. En vrai, je trouve ça complètement con de proposer ça. Vous pensez que ça explose au bout d'un moment ? Pour l'instant, non. Ah merde. Non, mais c'est mort, je fais pas la fin comme ça. Je suis désolé, mais c'est trop chiant. Je vais regarder la fin sur internet, mais non, c'est mort. Attends, je vais pas me taper une putain de 2 heures à regarder un truc débile. Hop, at Tony's ending. Attendez, parce qu'il a écrit n'importe quoi vu que j'étais en mauvais clavier. At Tony's Endings. C'est moi qui joue, hein, les gens. En plus, vous pouvez voir que la dernière nuit, c'est genre quand même 15 minutes au moins. Mais j'ai juste foncé sur elle comme un connard, j'ai pas fait exprès. Bah des fois ça peut être une fois quoi. Genre vraiment tu... C'est logique de foncer sur elle quoi. Mais attends, what? Le jeu m'a tué alors qu'il fallait rester une demi-seconde de plus? Mon fils, tu as fait la bonne chose. Maintenant, il est temps pour moi de t'apprendre le business familial. On fera de belles choses ensemble. On possédera la ville. Ça ramasse demain. Oh shit. Screamer, moi je dis. Il voulait prendre un couteau, ça me fait rire. Exactement ce que j'aurais fait. Mais donc, du coup, c'est tout. Ah putain, heureusement que j'ai pas refait la fin. Hein. Mais heureusement que j'ai pas refait la fin, les gens, je me serais tiré une balle. Il y a une autre fin. All endings. Ok, attendez, avec un youtubeur qui regarde. Ok, c'est quoi l'autre fin? Us. Here. Your family. So I am going to leave. Goodbye. Donc il passe à travers la porte. See you. Et
Shrapnel. Mais c'est la même chose. Et comment c'est possible? Ah non, d'accord, en fait, il est mort comme moi, il y a eu un autre bug. Non, non, du coup, c'est pas ça. Donc là, il essaye de fuir. Putain, c'est trop drôle, comme il voit pas la sortie. Ok, il sort par les chiottes. Il n'y arrive pas, il arrive à sortir par la porte de derrière. Ok, donc là, il est sorti par la porte de derrière. The car ride. Tu as brûlé la pizzeria et tu t'es échappé. Une investigation a commencé après l'incident. Ton père a possédé l'endroit. Depuis, il a disparu. Ça fait une semaine maintenant. Il est tard et tu es fatigué. Tu t'endors une dernière fois. On se réveille. On est dans un coffre. Tu réalises ce que tu as fait? Je n'ai pas besoin de cette... C'est terrible pour mon business, j'ai pas besoin de ce problème. C'est ma faute. Je t'ai pas éduqué comme il faut. Mais t'inquiète pas. Bientôt, tu comprendras le principe du respect. On retourne là-bas et je vais t'apprendre des trucs. C'est tout? D'accord. Bah, ouais, cool. Bah, du coup, notre père, en fait, c'est le mec qui a violenté la meuf, je suppose, je sais pas. Ok, c'était trop bien, dis donc. je suis pas... pas convaincu hein, par ce jeu. À Tony's, bah c'était rigolo, mais je trouve que ça manquait d'ambiance, ça c'est certain. Mais je trouve qu'il y a vraiment des gros manquements. Mais c'est pas grave, on va aller voir un autre jeu, Jean, et on va passer un bon moment quand même. On va finir sur Nightmare Kart. À plus YouTube.